Chers compatriotes, mesdames, messieurs, nous sommes à l'hôtel là où le président est supposé arriver dans une heure. Et c'est la voix de Maître Dinewil Mokasson sur Éveil Patriotique. Nous avons tout ça à la tous les dans le cadre de l'information, dans le cadre de l'éveil patriotique. Donc, place où on a été mis, hôtel, ici, le président Félix. Donc, nous avons Félix, moi, dans le Congo, à Kokoma. Il y a près de deux semaines, donc de 10 jours, bande qu'on a mis sur ya la mokapé bazali a wana katia terrain au bon mona qui na bilili et lelo Félix azali kokoma a wana Washington dans une heure et veille patriotique donc on a tout looké la cabine d'information donc on a tout ça permis ya looké la cabine d'information tout yé awa donc on s'allume à tout à un hôtel. Tout le monde a bandé quoi, bah congolais ou bah tondi awa, bah yé pour bah koka, ko welcome yé. Et tu repères bien nos programmes tout de suite. Programme naï awa aux États-Unis, allez n'engenini. Et tu l'as dit dans les réseaux sociaux de partout. En grande partie, les gens sont en train de murmurer que le président Félix serait venu ici et profiter de ce temps pour rencontrer le président Fayoulou. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ce qui va se passer? On ne sait pas. Donc, moi et vous, on le saura tout à l'heure. Mais en attendant, nous allons faire un petit tour pour voir un peu l'environnement. Vous avec moi. Merci. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Président élu, démocratique, président Félix
Yep. Bye. Je ne vois pas la caméra. Bien, chers compatriotes, comme vous venez de le constater, nous avons fait un petit tour juste pour vous montrer l'environnement. Mais la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour récolter les informations. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de spéculer sur l'arrivée de Félix ici à Washington. Et nous nous sommes permis maintenant de venir pour vous entretenir un tout petit peu sur l'arrivée de Félix. Comment il est venu aux États-Unis, pourquoi il est venu. Où il sera-t-il reçu? Est-ce qu'il sera reçu par le président de la République ou il ne sera reçu que par le ministre des Affaires étrangères? Alors, définitivement, je ne vais pas... La communauté congolaise, toutes tendances confondues, s'est réunie ici. Nous avons en grande partie les gens de l'UDPS qui sont aussi là et le reste de Congolais, toutes tendances confondues. Et si vous constatez que Maître Gino, connu comme le grand combattant ou le combattant au sein de la diaspora combattante des États-Unis, se retrouve ici simplement parce que nous nous sommes décidés d'être là, où les gens sont en train de parler de la République démocratisée du Congo. Banasomi Ekolo Congo, Namomisano Emission Abfizera Kanamangala et Paiwapi, Tosolo Lakapuna Tina République démocratisée du Congo. Lilo Nangonga Oyotovandi, aux États-Unis, Tosali Kubunga. Non, vous êtes bien, vous ne voyez pas ça, c'est sur moi. Ouais. Nangonga Oyotovandi en ce moment, na. 5 minutes, nous sommes à 5 minutes à pied de la Maison Blanche et tous allés dans l'intercontinental et pas au Wapi. Félix Tshisekedi, Aoutiko quitte un avion, si j'ai bonne mémoire, Aoutiko quitte un avion. Nakuki Kolobamaka cité parce que nous sommes dans l'hôtel, dans le hall de l'hôtel où il y a d'autres personnes aussi. Donc, Kokutanabiso, Awa, Toye Poto Kokakozo, Benformation, Outolingi Koyo Kanamato Yabatute. Le programme est tel que le président arrive aujourd'hui à partir il y a lobby à Kobanda déjà Kokutana, à Kobanda déjà Kokutana na ba rendez-vous au Yayeli parce que ba rendez-vous na eza pendant 48 heures. C'est non nenge to ki en haut awa. Les ali ko solo na nenge bino moko bonti ko mon awa.
ma solo ningi bozo mona il y a des gens bazo solo là ma solo za kobetama tous une chance il y a kozo quelques informations que le président Azuya il a été invité au département d'état américain et pas wapi akokutana na ba konzi ya mboka oyo jusque là solo calendrier to kopé sabino ba détail était parce que tous ignoré yango. Il faut azala reçu par le ministre des Affaires étrangères Namekako pour le message nazali na yango pour nazali un peu beaucoup plus précis. On a ni nazala sûr on a le cas aide mémoire en anglais. Les toilettes sont en haut. Bon, Boulim, c'est Penza. Les gens me demandent pendant que je suis devant la caméra. C'est les informations que j'ai à ma possession. Le président arrive tout à l'heure en provenance de Dakar. Son jour, séjour Naïe et Kozala Awa jusque dimanche. Donc il sera ici jusque dimanche avec plusieurs audiences. Et Kobanda, selon l'information, il ne sera reçu que par les ministres des Affaires étrangères, mais selon le message au Nazui, Nazo garantit l'angoté parce que l'information est tellement close. Ils allaient pendant la Kubumba, toyebi ango pendant la détail mengité parce qu'ils ont le bamati. Donc, comme vous pouvez le constater, il était supposé que Akoma hier, demain, mercredi, mais finalement, tout a changé à Zakoko Maskona Andrew Air Force Base où ils allaient aéroport militaire. Il y a Washington métropolitaine et puis de là il va venir tout droit ici dans l'hôtel des Wheelers. Donc on a quatre programmes naïe, il va arriver ce soir de Dakar, séjour jusqu'à dimanche avec plusieurs audiences White House, Pentagon, Congrès, State Department. Ndenge to lobby, c'est-à-dire que Azali Kokoma na poko ya lelo a cause à la reçu la Maison Blanche qui n'est pas du tout confirmé parce que ils allaient dans le calendrier bimisikoyo à cause de la reçu na Pentagone et à cause de la reçu na Congrès na Bissau AWP State Department Oyo et Bengisaki. Donc Koko Manaye Bandeko Oyo Bazalina métropolitaine awa je répète ils allaient toutes tendances confondues. Il y a une frange la Bandeko na Bissau il épaisse au Bazali awa. Et le reste, c'est les Congolais de la diaspora, toutes tendances confondues. Yango Bomoni Bisotoye, Ko Telema Awa. La situation du Congo, les Alinano, Vomon, Nengetolubaka, les Colo et Akrik, Congo Nabiso ne va pas encore très bien. Ça va très mal. Sans très mal, la vision Nabiso et Alinini. Tolela qui manda des années, qu'il faut qu'il y ait un changement dans le Congo. Et ce changement n'était pas seulement d'avoir un président à la tête de la AEDC. Le changement était que Moutinho Sarko souhaitait, considérant que notre pays est sous occupation, il faut que Bimanakati occupation. Et que Bimanakati occupation, Nabiso, la diaspora, combattant toute tendance confondue, Tolobaki, il y a une seule voix, Oyo Batouakoui Kobimela, et Zalaki sur le mont populaire.
chose qui ne s'est pas réalisée. Quand on a besoin d'un politicien, donc moi qu'on a bango ou yazali koko ma awa oyo abimi président ya République démocratisée du Congo, bango va sangana qui va lobby que nous n'avons pas l'option des armes, mais tokolongola. Moto Oyazana Moto Yamboka et toute la Kabylie que par les élections. Donc il était décidé na bande konabiso Oyo Basangana qui na katia rassemblement qui était un organe Israël Kosangisa. Ba politicien na biso nyonso de manière que babimisa candidat moko Oyo alinga ki kosa la face na FCC qui était aussi un regroupement ya ba Oyo biso tozali ko benga la Kabylie. Mais malheureusement le peuple congolais qui s'attendait à une élection où il y a la démocratique apaisée et transparente. Et ça, c'est ce qui a été fait. Ils ont été en 2006, en 2011 et en 2018 avec le même, la même institution et qui est entre autres. Bon, ça, c'est le président est en train de venir. Donc, on sera obligé de couper pour le moment. Merci. Non, c'était pas ça. Il y avait autorité moralinga qui allait car donc on va quand même savoir que nous avons filmé bah donc voilà. Donc le peuple congolais au mingi bah yebi pendant la situation en Mboka na bisoté et ils ne sont pas informés sur le point que bah yeba que le pays est sous occupation bah métier qui bangonyo surtout na sima élection. Pendant ce temps, la diaspora combattante, où il fallait salam salam akasi yako, mobiliser le peuple à travers les médias na libanda. Allô? Bonsoir. Oui, je dois devoir te rappeler parce que je suis live. Je suis en live, Nazali live. Je t'écris, je dois t'écrire. Bolim Bisibandeko, Toko Salango différent, les loups n'ont toujours Salango n'est pas la commission, parce que nous sommes au milieu de beaucoup de monde qui sont venus de partout aux États-Unis et. La plupart n'abandonnent pas, mais ça n'en a pas comme OET. Donc, et les gens continuent à appeler par-ci par-là pour savoir what's going on. Donc voilà, ce que j'étais en train de dire que espoir au bout de ma qui n'a peuple congolais au Ming n'abandonne pas Zali qu'on ignore que le pays est sous occupation. Ma politicien Nabisso va décider que Bango va Kolongo là le système par les élections. Élections salami toye bindenge leki. Ndenge peuple bandai kozela yango te, mais la seule chose qui s'est présentée, lingi kolobako, moko ya bana ya mboka obaki ndenge élection, abimi président. Na modèle nyonso ya bimaki président, le slogan qui a accompagné les élections était moi na mboka akamatana le pouvoir. Moi na mboka akamata pouvoir akokamata yango ndenge nini, parce que l'élection ezali kosalama avec les mêmes institutions au biso to bonzaka. Et fort malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails. Élection après Kosalama. Oh là là. Après avoir Kosalama, élection est bouti. Où est-ce que vous vivez en Angola? Le bolim, c'est Penza, vous allez le cas de partout. Et bouti, où est-ce que vous vivez en Angola? Bolimbi si bandeko. ...1401 Pennsylvania Avenue. Washington DC.
The Willow Hotel. Bonjour, mes chers compatriotes au Bouzolanda Bisso. J'étais en train d'envoyer l'adresse à une personne qui n'arrête pas de ranger. Voilà, j'étais en train de dire que les élections finalement ont donné ce que nous avons aujourd'hui. Félix est sorti comme président de la République et à côté de Félix, il y a une autre personne qui continue à se battre aujourd'hui pour la vérité des urnes, Ouazeline Dekona Bisso, président élu à Fayoul. Bandeko ya ba combattant, ba résistant, ba patriote, tokomi kokabwana. Au contraire, l'Ilala Oyamabe et que Bébé Salé 300 malala kitoko. Nous sommes tout à fait conscients. Moutonnions au Azali Kolanda Vidéo a yébi que l'occupation haute bandai Kobondissa na Congo est longuette. Au contraire, bande Konabiso et politicien va signer Bakor. Nabatu Oyoto bandai Kobondissa que 20 ans ils ont foutu le pays dans l'état au Azali. Donc, est-ce que tout ça, qu'on s'imaginait un seul instant que Batou et Babibi Simbo Kanabiso pendant 20 ans, ceux qui continuent à travailler dans Bambo Kanabiso Kobongo. C'est ainsi que Neve Patriotique, tout ça, qui décision, que le tout ganga kakaka, tout approcher Bango, tout Solorama, Bango, tout Lobana, Bango, tout Pesa Bango Mayele, tout Pesa Bango Makansinabiso. Et c'est ça le travail démocratique. Le col à moi couloir et fongwami, Oyobiso Tozala qui est incapable de mettre Djinn en éveil patriotique, Toko Kakoko ma place Yaboy Oyo, président de la République Azoya, Ya Congo, et que cette opportunité nous est donnée aujourd'hui au nom de l'unité nationale, au nom de la démocratie, ils ont accepté que Toya, mais tu gardes l'étiquette Nabsawa combattant Toye Awa. Toujours chance, il y a que tout na mituna oyo bino bomituna kanandako. Mituna oyo bozali ko komela biso, mituna oyo bozali ko se poser, to meka ko zwa ba réponse ango. Ceux qui tokozo ango directement et pas à Félix T, tokozo ango na entourage na baye bisa biso. Accord oyo to signer. Et ko bimisa biso na situation to zeli na yango point d'interrogation. Ba ko pesa ka biso ba détails jamais, mais du moins tokozo opportunité wana. Au lieu à co spéculer, y a que le bac en a simaka qui a un micro, toujours une opportunité, y a que vendre dans la bateau yango face à face, tout na bango, mituna, oyo tozali ko mituna tilelo. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, je ne veux pas vous garder très longtemps. Les gens sont tellement fatigués et je suis à un endroit où il y a tellement du monde. Je pense que je ne suis pas vraiment permis de pouvoir filmer les gens qui sont ici, mais je le fais quand même parce que j'ai besoin que vous ayez les informations. Donc avec vous, nous allons rester pendant quelques minutes qui nous restent, le temps qu'il n'arrive. Je pense que nous aurons l'autorisation ou la permission de pouvoir filmer quand il va arriver. Beaucoup moins naïe, mais je ne peux pas vous garantir que Toko Joanaye interview les lots, tout lobby, et ça dépend de notre calendrier et programme naïe. Mais chose qui est sûre, ce que opportunité pe sami, bah, mitouna nyon so ou ebotin de la kibison à WhatsApp, tous années naïango, to yébite tant au bao pe sami, vous allez combien, nous serons à mesure de lui poser des questions que vous nous avez envoyées. Et d'ici là, restez avec nous, restez branchés. Je vais trouver quelqu'un à qui nous allons poser quelques deux ou trois questions. Merci.
ici. Hein. Ok. Chers compatriotes, devant moi vous avez Papa Paul Sampou, que vous connaissez et certainement beaucoup de gens ne le connaissent pas. Il va se présenter, il va nous dire la raison pour laquelle il se retrouve en ce lieu, en ce moment, alors que nous savons qu'en ce moment il devait se retrouver en Belgique. Papa Sampou. Bien, merci Dinoé. D'abord félicitations à Moussa Lozo Sala. C'est en lingala aussi en français. Vous avez... Bon, ok, très bien. Félicitations pour le travail que vous abattez de conscientisation des Congolais. Je suis ici à Washington. Ça fait probablement 3 jours que je suis ici. J'ai des réunions avec les autorités américaines au niveau de certains départements sur la question des sanctions chez nous, et aussi donner la position, parler de la position post-élection et surtout la situation des droits de l'homme, puisque j'étais allé au Congo et pour tester la situation tant pour le président Félix Tshisekedi que pour le régime sortant. Et bien, c'était un test pour voir si, effectivement, on pouvait rentrer sans problème, puisque les gens qui m'en veulent sont encore en place. J'ai cité John Numbi, j'ai cité Kalev et tous les autres, c'est des noms-là. J'ai pris mon courage. Ça faisait combien de temps que vous... 15 ans. Alors, j'ai pris mon courage, puisque j'appartiens à une organisation internationale des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme. Les compatriotes me voient toujours comme Congolais, hein, dans cette sphère-là, mais ils oublient que je suis un responsable au niveau international et que la Fédération internationale va partout, au Soudan, en Syrie, là où il y a des difficultés, là où il y a même des dictateurs, pour leur dire que voilà, sur le plan des droits de l'homme, voilà ce qui ne marche pas dans votre pays, etc. Et bon, c'est sous cette dimension-là que j'ai conduit une délégation de la Fédération internationale des droits de l'homme. Les gens peuvent commenter que voilà, je suis allé appuyer un chef de l'État qui est là, etc. Hein, bon, par tricherie, des choses comme ça, ça c'est un autre problème. Mais je suis allé pour transmettre à ces nouvelles autorités, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi, lui dire que voilà notre feuille de route au niveau de la Fédération internationale des droits de l'homme, et celle est là. Appliquez-les, avançons, améliorons ensemble. Ça s'arrête là, puisque je ne suis ni la Mouka, ni Cash, ni Cinco, ni CENI, je suis un défenseur des droits de l'homme. La question politique, élection, ce n'est pas mon dada, puisque je, sur mes mains, mes responsabilités, les revendications de victimes par million de défenseurs, enfin de la population. Oui, oui. Par million. Par million. Pendant que vous étiez en train de vous battre dans la diaspora combattante, dont je vous ai reçu, ou nous vous avons reçu plusieurs fois sur Veille Patriotique, il y avait des milliers de Congolais qui étaient en prison. Quand vous êtes parti, vous avez eu la chance de pouvoir visiter les prisons, les endroits où. Non, je ne pouvais pas, nous ne pouvions pas, et surtout avec ma présence. Et je vous ai dit que ceux qui nous pourchassent étaient là. N'oubliez pas que je suis rentré au pays après avoir déstabilisé le dauphin par rapport aux sanctions au niveau de l'Union européenne. Puisque s'il n'y avait pas cette déstabilisation avec le maintien, je vous assure, le maintien des sanctions, on allait déclarer Chadari comme vainqueur de ces élections-là, et nous allions recommencer la roue des manifestations, etc.
mais une manifestation malgré ça. Attendez. Parce que nous savons que. Oui, oui, d'accord, tout à fait, tout à fait. Mais il y a beaucoup d'esprits obtus, passez-moi les mots. J'ai vu des gens comme ça qui ont attaqué sans savoir que je suis quand même à un niveau international. Si on me dit, va là-bas, défendre une situation des droits de l'homme, j'irai. Même si c'est dans mon pays, si je trouve que les conditions de sécurisation sont acquises, je peux bien m'offrir.